Eh bien, bonjour tout le monde et soyez bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur Elite Dangerous. C'est Monsieur Souya. Petite session de stream tranquille en ce dimanche matin. J'ai pas du tout l'habitude de streamer le dimanche matin, mais là j'ai une petite heure à tuer donc je me suis dit, allez, on y va. J'avais envie de faire un petit peu de récolte de matériaux sur Elite puisque voilà, j'ai les niveaux à refaire au niveau de des matériaux justement pour crafter deux trois petites choses dont je pourrais avoir besoin dans le cadre de notre Codex Exploration Mission, notre événement communautaire que vous retrouvez le vendredi soir et le dimanche soir sur ma chaîne Twitch. Donc voilà, j'en profite hein, pour faire un petit peu ces niveaux-là, me balader sur cette belle planète sur laquelle on s'est laissé vendredi soir. Et voilà, je vais pas quitter le système. Je vais peut-être aller faire un petit tour sur l'autre planète de ce système, mais bon, on verra bien. Voilà, je verrai le temps que je mets à récolter 2-3 matériaux. Mais vraiment, voilà, c'est histoire de se retrouver en ce dimanche matin. J'ai vraiment pas l'habitude, hein, dimanche matin, donc je ne sais pas si vous serez présent. Mais bon, ce n'est pas grave. J'avais envie de jouer à Elite. Donc, écoutez, c'est parti, hein, voilà, on se met bien tranquillement. Voilà, prenez votre petit déj tranquille. On n'est pas pressé. Réveillez-vous bien. Voilà, je vais juste regarder un petit peu. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, je vais juste regarder un petit peu au niveau, voilà, de l'ambiance qu'il y a sur la planète actuellement. Ouais, c'est bon. L'étoile. En fait, j'ai l'impression que l'étoile n'a pas bougé du tout depuis la dernière session. C'est vraiment très bizarre, on dirait que cette planète ne tourne même pas sur elle-même. Puisque j'ai vraiment l'impression d'avoir le même angle de vue que la dernière fois, ce qui est assez étrange, ma foi. C'est pas logique du tout. Normalement, elle devrait tourner sur elle-même, donc c'est assez bizarre. Je vais quand même aller regarder dans les caractéristiques de la planète. Parce que je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. On va voir un petit peu. Voilà, on est sur cette planète-là. Voilà, on est sur cette planète. Donc, ça me dit que c'est un monde abondant en métaux, etc., etc. Petite planète, 4000, oh, pas si petite que ça quand même, hein, presque 5000 km de rayon. Révolution de jour. Ah, mais c'est peut-être pour ça, en fait. Elle a une période de révolution qui est assez grosse, hein, donc c'est du 48 heures là, elle a fait sa révolution en 48 heures. C'est peut-être pour ça que je me retrouve avec le même axe de par rapport à l'étoile, c'est assez bizarre. Hein. Enfin, j'imagine que c'est à cause de ça. Parce qu'elle a une rotation très lente. Ouais, c'est probablement ça. L'axe d'inclinaison est faible également. C'est peut-être pour ça qu'on a toujours le même angle. Je sais pas. Ouais, c'est possible. Ok, donc je vais sortir le SRV. Je vais réfléchir juste 30 secondes. Voilà, qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, bah, pas de soucis. Ok, bah, c'est parti. Allez, hop. Allez, j'ai envie de me balader un petit peu. Je sais pas si quelqu'un me rejoindra. On verra bien. Voilà, on sort le VRS. Je sais plus si je l'ai réparé depuis la petite course-poursuite qu'on s'était amusé à faire avec Fralex. Sur cette surface-là, je suis à combien? Je suis à 100%. C'est bon. Ok. J'ai juste un petit peu de carburant à remettre, éventuellement, mais bon, rien de bien méchant. Je regarde juste s'il n'y a pas quelqu'un de connecté. S'il y a Mataroun qu'on a rencontré la dernière fois, qui s'est connecté avec nous un petit peu la dernière fois, mais qui n'a pas pu nous rejoindre, et qui est en groupe privé, on va le laisser tranquille. Ok, alors ici, j'ai rien de plus à faire. Là, c'est bon, niveau carbu, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Allez, go! On va juste dézoomer un peu. Voilà le radar. Et puis allons-y.
Ouais, donc vraiment petit stream tranquille hein, ce matin. J'adore en fait la proximité de cette planète par rapport à son étoile là. Ça fait des plans vraiment, vraiment super chouettes. On a vraiment l'impression que l'étoile est juste à côté et je trouve ça cool. Ça fait une très belle lumière, j'aime beaucoup. Du coup, alors, on va se diriger, bah écoutez, on va se diriger par là. On va bien voir si on trouve des matériaux. Je ne sais pas, j'ai même pas regardé ce qu'on pouvait trouver d'ailleurs. Je vais quand même prendre le temps de regarder ce qu'on peut trouver en majorité sur cette planète, au niveau des matériaux. C'est marqué ici, hein. On a beaucoup de fer, ok. Du nickel, pas mal, du soufre aussi. Du carbone aussi, après c'est du chrome, manganèse, phosphore. Il y a quand même beaucoup de matériaux. Hein. Pas beaucoup d'étain, pas beaucoup de ruthénium et de tungstène. Ok. Bon, donc il y a quand même des grosses probabilités de trouver des matériaux intéressants. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va continuer dans cette direction. Voilà, je vois. On va plutôt prendre par là. Hop. Donc on va se refaire un petit peu les niveaux, hein. C'est le but. Voilà, c'est pas la peine d'aller vite. Alors j'aime beaucoup parce que, voilà, si je m'arrête 30 secondes, il y a des petits cratères. Elle est vraiment très cratérisée cette planète du coup. Voilà, on se retrouve avec un paysage comme ça. Il n'y a pas de montagne, hein, il n'y a pas du tout de relief. Mais alors, voilà, il y a beaucoup de trous de cratères et parfois assez gros puisque la dernière fois, on s'est amusé à faire une course à l'intérieur d'un cratère immense. On s'est bien marré d'ailleurs. Donc voilà, c'est sympa, j'aime bien l'ambiance qu'il y a sur cette planète. C'est très très désertique, hein, on est d'accord, mais voilà, il y a du relief avec les cratères et ça c'est marrant à parcourir. Allez, on va se diriger vers l'écho qu'on a devant nous. Et si on a de la chance, peut-être qu'on trouvera des échos artificiels. Alors là, ça se divise en deux parties. Ah, là ici j'ai un premier écho. Voilà, juste là-bas. J'ai un petit affleurement. Alors normalement il n'y a pas de POI hein, sur cette planète. Ça. Je vais quand même vérifier aussi, je me souviens plus, mais je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Je crois qu'il y en a par contre sur l'autre du système. Il y a deux planètes sur ce système. Ok. Bon bah écoutez, allons-y. On va se mettre. Est-ce que je peux tirer là? Non. Je suis pas en mode tir. On va se mettre en mode combat. Non, j'étais bien. Voilà, j'étais bien, sauf que j'avais pas les bonnes armes. Voilà, j'ai ma mitrailleuse, parfait. Nickel, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on va voir un petit peu. Du nickel, du soufre, manganèse, bah c'est parfait, c'est ce que j'ai besoin pour refaire du carbu. Donc c'est très bien, c'est très bien. Allons-y, allez, on va ouvrir la soute et récupérer ça. Vas-y, la soute, hein. On va récupérer ça tranquillement, voilà. Ah, tu peux pas me le récupérer. Qu'est-ce qui gêne? Il y a les autres matériaux devant qui gênent, d'accord, c'est pas grave. On va prendre les autres qui se trouvent devant, voilà, il y a du soufre. Ouais, je pense que ça doit être bon. Voilà, là c'est bon, je peux bien le récupérer. Ensuite, voilà, le soufre encore. Parfait. Hop. Et enfin, le dernier matériau. Alors c'est marrant, quand on roule sur le sol de cette planète, on voit effectivement les traces de roues qui soulèvent une poussière brune en fait et qui révèlent un sol rouge, vraiment rouge.
Voilà, parfait, on a tout récupéré. Je rentre la soute. Et puis, bah écoutez, on va se diriger vers un autre écho. On avait un autre par là-bas, il me semble. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Donc c'est bien, il y a des matériaux. C'est pas une planète désertique, complètement désertique. Donc c'est cool. Allez. Ah bah je le vois là-bas. Parfait. Encore un petit affleurement. Bon, on ira quand même faire un tour sur l'autre planète. Je vais vérifier qu'elle est, qu'il n'y a pas d'atmosphère et qu'on peut vraiment atterrir dessus. Mais on va aller faire un petit tour sur l'autre aussi. En plus, elle est plus proche de son étoile, il me semble. Donc, on aura encore plus... enfin, une lumière encore plus forte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nickel carbone. Ah bah voilà, du carbone. C'est nickel, du chrome. Parfait. On va récupérer ça. Où est-ce qu'il est, là? J'ai pas ouvert ma soute. Non, si je joue pas ma soute, ça marche pas. Hein. Voilà, je précise quand même, c'est mieux d'ouvrir la soute. Hein. Allez, le soufre. Parfait, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Le phosphore. Voilà. Un petit peu de nickel. Je suis à 115 sur 300, ça va, j'en manque pas. Et enfin, il m'en reste un. C'est encore du nickel. Ah bah non, il y a deux matériaux encore. Voilà. Et le dernier, c'est du carbone. 118 sur 300, c'est bon, je peux largement récolter. Et ben voilà, c'est fait, hop. Je suis coincé sur l'affleurement, c'est bien. Non, c'est bon. Ok, alors, est-ce qu'il y a encore des échos? On va suivre en direction de l'étoile. On va s'en faire encore deux ou trois. Puis après, on ira jeter un petit coup d'œil sur l'autre planète de ce système. Alors je rappelle qu'on est toujours dans le secteur du rivage élyséen, hein, dans le cadre de notre événement communautaire, le Codex Exploration Mission. Et donc, la dernière fois avec le commandant Fralex, on s'était laissé donc vendredi soir sur cette planète. Et on est dans la partie vraiment sud-est du secteur du rivage élyséen. On est en train d'explorer cette partie, il y a aussi le commandant Nakamura qui fait partie de notre wing, mais lui, il a préféré partir vraiment à l'ouest du secteur. Donc il est bien plus profondément enfoncé dans le secteur. Et si vous voulez suivre eh bien, la progression de notre exploration lointaine de ce Codex Exploration Mission, eh bien, ce sera ce soir à partir de 21h, et on pourra se retrouver tous ensemble. Pour la suite de notre exploration dans ce secteur, cette première édition. Je rappelle hein, évidemment que vous pouvez suivre les replays de toutes ces sessions, on est à la 15e là déjà, sur ma chaîne YouTube. Hein. Je mets régulièrement les replays en VOD pour que vous puissiez les suivre si jamais vous ne pouvez pas nous suivre en direct. Le vendredi soir et le dimanche soir. Alors là, typiquement, je rentre dans une espèce de cratère assez plat, avec d'autres petits cratères à l'intérieur. On a du mal à s'imaginer, mais moi, je le ressens bien, la vue du cockpit. Là, on voit un petit cratère vraiment en plein centre. Voilà, hop. De ce gros cratère, et je vois des échos ici, c'est parfait. Parfois, les cratères sont encore plus impressionnants.
Là, c'est vraiment des petits cratères là dans cette zone. Ouais, allez, on va se faire ce petit écho là. Et puis après, je rappelle mon vaisseau. Éventuellement, on se fait un autre gros cratère sur cette planète. Et puis après, on ira voir l'autre planète du système qui a l'air d'être à peu près sa sœur jumelle, mais plus proche de l'étoile. Je pense que ça va être intéressant au niveau de la luminosité. On risque d'avoir des panoramas assez sympas. Allez, on accélère un peu. Voilà, on a un affleurement, j'imagine, juste en face. Il devrait apparaître, voilà, incessamment sous peu, voilà, je le vois, hop. Ah non, c'est une chondrite bronzite, donc une météorite, qui s'est écrasée ici, un fragment en tout cas, et bah, on va pouvoir voir ce qu'elle a à nous offrir. Donc il y a des chances que ce ne soit pas les mêmes matériaux que les affleurements, hein, bien évidemment. Voilà, allez. Parfait. Ah, du fer et du nickel, d'accord. Bah ouais, donc c'est clairement une météorite. bon, on va récupérer justement, je vais voir au niveau où j'en suis. Bah, de mes niveaux, je suis à 143 sur 300 pour le fer. C'est très bien, on va récupérer ça. Voilà, c'est important hein, de temps en temps de refaire un petit peu les niveaux des matériaux. Et quand on est en exploration lointaine comme ça, parce qu'évidemment, on est tout seul, hein. Même si là on fait ça en wing, si on a besoin de fabriquer quelques petits crafting qui peuvent nous servir, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire, c'est en récupérant des matériaux à la surface. Donc c'est important de maintenir un minimum les niveaux des matériaux qu'on possède dans son vaisseau. Voilà. Ok. Alors, je rentre là. Voilà, le récupérateur. On va rappeler le vaisseau. Et puis, on va voir s'il y a autre chose sympa à voir sur cette planète au niveau panorama avant d'aller sur l'autre. Je rappelle le vaisseau. Hop, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end. Votre samedi soir s'est bien passé. Alors, où est-ce qu'il va apparaître? Ça se trouve, j'étais pas assez loin pour qu'il ait redécollé. Le temps qu'il, voilà, qu'il redécolle et qu'il réapparaisse. Ok, il est là-bas. Parfait. C'est bien, il va atterrir juste à côté, c'est nickel. Attendre qu'il se pose, on va pas l'empêcher de se poser. Ah, c'est à distance. Parfait. C'est bon, il se pose. Voilà, c'est bon. J'ai eu peur qu'il soit parti à redécoller. Mais non, c'est bon. Ok, allez. On va remonter à bord. Et puis on va se balader un petit peu à sa surface. Pour voir s'il y a des choses sympas à photographier. Vous me connaissez. Je ne manque pas une occasion de prendre un petit cliché ou deux. Quand je peux le faire. Et quand je dis un petit cliché ou deux, j'ai vite fait de remplir un disque dur si je fais pas attention.
Ok. Alors, c'est reparti. On redécolle. Voilà. Tiens, on va se mettre en vue troisième personne. Voilà, je vais essayer de piloter comme ça. En vue troisième personne. Hop. C'est jamais évident, c'est jamais très prudent non plus, surtout quand on fait de l'exploration comme ça. Parce que là, je suis loin de tout, hein. On est à 6-7 000 années-lumière de la bulle humaine. Donc si je me crache, j'ai que mes yeux pour pleurer. Mais bon, voilà, on va y aller tranquille. Voilà, parfait. Hey, salut Zura51, sois le bienvenu sur le chat et sur le stream. J'espère que tu passes un bon dimanche matin. Voilà, c'est parti. Allez, je prends un petit peu d'altitude, histoire de voir s'il y a des petits cratères sympas dans lesquels on peut se poser. On va prendre un petit peu d'altitude pour ça. Voilà, je pense que c'est bon là. Alors, est-ce qu'il y a des petits cratères sympas? J'ai l'impression qu'il y en a un devant le nez de mon appareil, là. Par ici. Il y en a un sur ma droite. On va aller voir sur la droite, j'ai l'impression que c'est assez profond. Normalement, on est dans une zone où il y a des cratères qui se rejoignent via des petits canyons. Donc c'est toujours intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil. Effectivement, il y a des petits cratères. Il y en a un plus gros sur la gauche là. Encore plus gros. Non, on voit bien là, hop. Si je me place un petit peu plus en altitude. Voilà, on voit bien qu'il se dessine là. Et salut Frélex! Petit passage, le temps d'une pause. Y a pas de souci. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne nuit. Et on se retrouvera avec plaisir ce soir. Puisque je rappelle que le commandant Frélex fait partie de la Wing. Dans laquelle qu'on utilise pour faire le codex exploration mission, notre exploration lointaine. Donc on aura le plaisir de le retrouver ce soir. Ah, t'as un rhume et une angine, ah bah c'est parfait. on essaiera de ménager ta voix ce soir, t'inquiète pas. C'est jamais agréable, hein, c'est clair. En plus là on est en plein dans la période, on se méfie pas parce que... Enfin moi je sais pas, mais là moi j'habite au nord de Paris là et on a presque 20 degrés là. À cette heure-ci, quoi. 10 h du matin, il y avait presque 20 degrés, quoi. C'est un truc de malade. Donc forcément, on se méfie pas et c'est comme ça qu'on chope des angines. Ouais, de toute façon, tu ne pars jamais beaucoup, c'est exact. Mais à chaque fois que tu prends la parole, c'est pour dire quelque chose d'intelligent. Donc c'est tout à ton honneur. J'ai résisté 2 jours perso, mais voilà, chérie plus collègue, j'y suis comblé. Ah bah tu m'étonnes, en plus les collègues s'y mettent pour te filer leur rhume. Oh, regardez ce petit cratère là-bas, j'aime bien ce petit cratère. On voit bien l'éjecta en plein centre là. On va aller jeter un petit coup d'œil, on va aller... Alors je sais pas si on va se poser, quoique si, ça peut être intéressant de se poser. À l'intérieur. Je dis surtout des conneries. Oui mais bon... C'est à peu près ce que je voulais dire. Si on passait notre temps à dire que des choses intelligentes, qu'est-ce que ce serait ennuyeux. Mais non, faut pas être triste, au contraire. C'est ce monde qui est beaucoup trop sérieux. C'est important de dire des conneries de temps en temps.
Allez, on va redescendre dedans. Je regarde quand même aux alentours. Voir s'il n'y a pas un autre cratère intéressant. Non, je ne pense pas. C'était plus cool dans le coin, donc c'est parfait, on va y aller. Voilà, il est ici. Hop! Tu te balades plus que tu ne récoltes. Non, je viens de récolter en fait. Là, je viens de faire des récoltes, mais bon, j'ai décidé de prendre mon vaisseau, voir s'il n'y avait pas un autre petit cratère sympa dans le coin. Et puis on va se reposer dedans. Mais ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de voir si je peux pas aller me poser sur l'autre planète de ce système, qui est plus proche de son étoile. J'ai pas fait gaffe si on pouvait atterrir dessus. Je vais aller checker ça. Ouais, c'est ça, exact, Fralex. Il y a une planète tout près à 5 années-lumière, effectivement. Donc je vais aller voir ça. Mais ça va, on va y aller tranquillement. Hein. On est dimanche matin, on va pas se presser. Il n'y a encore que 11h, donc ça va. Je vais avoir une petite heure pour streamer, tranquille. Ouais, 5 SL, oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. J'avais compris, Fralex. Allez, on va se poser là-dedans. Elles sont chouettes les couleurs hein, sur cette planète là. C'est vrai que c'est la planète Paprika, comme tu disais, hein. C'est vraiment ça. Et c'est encore plus marrant quand on roule en SRV dessus parce qu'on soulève la, comme je disais tout à l'heure, la poussière brune, et dessous c'est vraiment rouge quoi. Le sable est rouge. Ok, là je pense qu'on est bien au-dessus. On va essayer de se poser en plein centre. Voilà. En tout cas, soigne-toi bien, d'ici ce soir. J'espère qu'il ira mieux, que ça va pas empirer. Parce qu'avec les rhumes, on ne sait jamais. On croit que ça va bien, et puis d'un seul coup, paf, on se retrouve avec de la fièvre, on comprend pas. Ah, j'ai tellement hâte de pouvoir mettre la main sur ma nouvelle config là. Vivement que ma carte mère arrive. On m'a dit vendredi ou plus tôt, j'espère que ça va être le cas, que je puisse monter ça rapidement. Et pouvoir à nouveau vous faire des streams sur Star Citizen, parce que ça me manque énormément aussi. Et là, c'était devenu impossible à streamer de toute façon. Ouais, je vais galérer demain. Ouais, bah tu m'étonnes. Si en plus tu dois téléphoner avec un rhume et une angine, laisse tomber quoi. Alors, c'est marrant, il y a un autre petit cratère à côté de l'éjecta, mais là vous voyez, on voit très bien l'éjecta. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais prendre un petit cliché comme ça. Hop. Voilà. Ça, c'est typique des cratères d'impact. Hein. C'est d'ailleurs le même phénomène physique qu'une goutte d'eau hein, qui tombe dans un verre d'eau ou une mare. Enfin bref, ça fait une goutte et on a typiquement le même phénomène puisque au moment de l'impact, il y a la fusion du sol et donc ça fait comme ça devient liquide en fait. Et on a cet éjecta qui remonte en fait au centre du cratère, au centre de l'impact. Donc on voit très bien en fait que l'impact a eu lieu précisément à l'endroit de l'éjecta. Parce que l'éjecta se forme à l'endroit pile du contact entre la météorite et l'astéroïde et le sol. C'est cool que tu m'as appris ça l'autre fois. Ouais, c'est vrai. C'est pas forcément quelque chose qu'on imagine forcément, mais ce genre de structure en plein centre d'une
d'un cratère, c'est typiquement lié au cratère d'impact. Et c'est lié à la fusion, tout simplement, hein, du sol, au moment de l'impact. Le sol se liquéfie et crée cette structure, comme le ferait une goutte d'eau dans un verre. Ok, allez, on va essayer de se poser par là, juste à côté. On va faire le tour, on va s'amuser à faire le tour de l'éjecta. Hop, je sors les trains. On va se remettre en vue cockpit pour pouvoir atterrir, ce sera facile quand même. Hop. Train d'atterrissage sorti. Parfait, merci Amélie. Alors, je pense que c'est suffisamment plat, hein. Le radar me dit que c'est plat. Faut quand même que je fasse attention parce qu'il y a. Oula, 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 oula. Voyez les bêtises que je suis en train de faire là. Paf. J'ai perdu 2% de coque. J'étais justement en train de dire qu'il y a presque 1G, donc attention. On est à 0,82 quand même. Donc on peut vite être happé par le sol. Et j'ai voulu atterrir plus vite que prévu. Résultat, je perds 2% de coque. C'est tout bête, hein, mais voilà, quand on est en explos profonde comme c'est le cas là, et ben c'est le genre de détail auquel il faut faire super attention, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Ah, salut Sorcy, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Je reste pas, je voulais juste faire coucou, il n'y a pas de problème Sorcy. Ça me fait très plaisir que tu passes, j'espère que tu vas bien, et que toi aussi tu passes un bon dimanche matin. J'ai pas du tout l'habitude hein, de streamer le dimanche matin, mais là voilà, j'avais une petite heure devant moi. Et puis et les niveaux des matériaux à refaire, donc voilà, c'était l'occasion. Donc on va ressortir le SRV et on va se balader autour de cet éjecta. J'espère que t'as pas trop de boulot Sorcy en ce moment, que tout se passe bien. Allez, si j'en ai... Voilà, hop, c'est parti. On va se faire une petite photo justement à côté de l'éjecta avec le Kyoko à côté de moi. Voilà. Ouais, ça va être cool en plus avec l'étoile. Regardez ça, c'est sympa hein, les ambiances dans les cratères. J'aime beaucoup en fait ici. Cette planète est vraiment cool hein, pour ça. Ouais, je vais essayer de. Bien positionné, on va redescendre un peu, s'approcher, voilà, faire quelque chose de cool. Peut-être un petit peu trop, on voit peut-être un peu trop mon, voilà, mon ASP. Bon, quoi que... Non, si c'est bien comme ça. Allez, petite photo, j'en prends une autre dans l'autre sens. Voilà, là on voit bien l'éjecta. Hop, on voit bien les traces rouges aussi hein, de mes roues sur le sol. Elle est vraiment sympa cette planète. Voilà, allez, on va aller se balader, voir ce qu'on peut récupérer comme matériaux justement dans ce cratère d'impact. Est-ce que ça va être encore du fer ou du nickel? Je ne sais pas. Ça me paraît être un cratère quand même assez gros pour n'être qu'une petite météorite. À mon avis c'est un astéroïde, quelque chose de, en tout cas un corps assez gros qui est venu frapper la surface à cet endroit là donc on a peut-être potentiellement l'opportunité de choper des matériaux assez exotiques hein. Voilà, on va suivre un écho là. Hop, il y a un petit écho ici. Bon, je rêve ou il y a un écho artificiel là? Je rêve pas. Hein. Il y a un écho artificiel ici. Regardez, pile devant moi là. Ouh, intéressant. On va aller voir. On va peut-être récupérer des conteneurs ou je ne sais quoi. Ou des Mister Freeze comme la dernière fois. Il y a peut-être encore des nacelles. C'est le matin de la découverte, mais oui. Et au calme, entre les brioches et les croissants. Et le café, bien évidemment.
Allez, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Ça se trouve, c'est... Je suis curieux de savoir ce que c'est que ce signal artificiel, mais c'est clairement un signal artificiel, on le voit bien là, il est en hauteur sur le radar. Hein. Il n'est pas sur la partie basse, mais vraiment sur la partie haute. Donc ça montre bien que c'est un signal artificiel. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir. En plus, c'est curieux, c'est en plein dans l'éjecta. Regardez, hop, là je suis en train de grimper sur l'éjecta. C'est très bizarre qu'il y ait un signal artificiel là-dessus. Ouais, ça attise ma curiosité là. Sur quoi on va tomber? Du coup, je vais dézoomer un petit peu le radar. Pour être sûr d'avoir le temps de voir de quoi il s'agit. En tout cas, on s'approche. Alors attention, ici c'est assez escarpé pour grimper cette colline. Bah, j'avais pas prévu d'aller au sommet, mais c'est du coup on y va, c'est cool. On va peut-être se faire d'autres points de vue. Ah, super, je me suis coincé. Voilà. Et ça grimpe, hein. Ça grimpe, hein, pas mal, hein. Oula, attention. Alors là, par contre, il y a un petit trou, on va le contourner par la gauche. Ah, j'ai perdu le signal. Eh, le signal artificiel est disparu. Il y avait un vaisseau. Sans déconner, il y avait un vaisseau. Je le vois plus. Ouais, c'est ça, c'est une base secrète dessous la montagne. Ou plutôt, ouais, au-dessus de la montagne. Non mais c'est bizarre, il a disparu sur mon radar. Ou alors, peut-être que j'avance encore. On va essayer de garder le cap. Je suis au cap 300. On va essayer de garder ce cap. Histoire de... Ouais, on va pas trop s'éloigner. Peut-être qu'il va réapparaître. Attendez, c'est bizarre. Il apparaît plus. Là, à gauche, je pense pas que ce soit l'écho artificiel qu'on a vu tout à l'heure. Parce que ça a l'air d'être mon vaisseau. D'ailleurs, pour être sûr, je vais le renvoyer. Pour être sûr que ce soit pas lui qui me gêne. On va renvoyer le vaisseau tout de suite. Voilà, on va attendre qu'il redécolle. Et salut Insanity Amori. Bah oui, ça fait longtemps, ça fait super longtemps. Merci de passer en ce dimanche matin, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir aussi. Il faut faire attention si tu entends un bruit FSD. Ouais, exactement. Et si tu te demandes... Et si tu te demandes, Bidouille, la grenouille, c'est moi sur YouTube. Ah, d'accord, ok. Oui, effectivement, j'ai eu que... T'avais laissé un petit com. Ok, d'accord, Amori. Ouais, j'ai pas encore pris le temps de te répondre. Ok, très bien, je note. Voilà, donc mon vaisseau est bien parti. Je vérifie du coup. Voilà, on voyait bien l'écho qui était complètement à gauche. C'était bien mon vaisseau. Mais là, je garde le cap 300. On va essayer de garder à peu près ce cap-là. À mon avis, la montagne, là, la colline me cache l'écho. Donc on va continuer. Punaise, ça va pas être simple. On va continuer dans ce sens-là, en espérant que j'y arrive. Voilà, mais je suis à 24 degrés d'inclinaison, là. C'est assez chaud pour le CRV. Surtout qu'il y a une gravité quand même assez forte. Donc attention à la chute, ça peut faire mal si jamais je chute. Voilà, on va garder ce cap-là. Pour l'instant, je ne retrouve pas le signal artificiel, pourtant je sais qu'il est là, c'est une évidence. Donc on va essayer de garder le cap. Voilà, cap 300. Est-ce qu'on a fait des découvertes? Oui, on en a fait pas mal. Dans le codex, en tout cas, depuis le début de notre codex exploration mission, là, notre événement communautaire, moi j'en suis à 65, 66, je sais plus. Découverte hein, dans le codex, donc effectivement on en a fait pas mal. Il en reste évidemment encore, on est à mon avis qu'à la moitié. Hein. Et là sur cette planète, non, j'ai pas fait de découverte. Si ce n'est ce signal artificiel là que je trouve très curieux, qui finalement a disparu. C'est vraiment compliqué de progresser là-dedans. Hein. Regardez ça, je patine.
Oh punaise, je recule. La pente est trop forte là. La pente est trop forte. Pourtant, je vois pas ton nom sur le codex. C'est tout à fait normal, Amaury. On n'est pas encore revenu dans une station pour délivrer les données. Ça fait 15 sessions là qu'on est en train d'explorer le secteur du rivage élyséen. Et pour l'instant, punaise. Oh, j'arrive pas à grimper. La pente est trop forte. Donc c'est tout à fait normal pour l'instant que tu n'aies pas nos noms qui apparaissent. Je vais pas réussir à grimper. Hein. Non, je recule. La pente est beaucoup trop forte. Du coup, je vais perdre le signal, c'est sûr. Je vais être obligé de faire un contournement. Ah, je peux plus. Hein. Il veut pas. J'ai beau mettre la vitesse à fond. Voilà, je suis coincé là. Je peux pas grimper plus. Donc, je suis obligé de redescendre. Voilà, on va passer par là, parce que là je peux pas aller plus loin. Donc là je sais que normalement c'est à gauche. Là j'ai une petite météorite ici. Ouais, regarde, ah, c'est dingue, je peux pas grimper. Je suis à plus de 30 degrés d'inclinaison, il veut pas. Hein. Il veut pas du tout. Voilà, bah vite fait, car si ton vaisseau est détruit, tu auras ça. Bah c'est clair. Ah bah c'est clair, faut faire vite, je sais bien. Mais bon, c'est pas le but non plus, là on est vraiment en escale profonde, donc le but c'est d'être prudent. C'est d'être prudent. C'est quand t'es live No Man's Sky, normalement c'est le mercredi soir. Et potentiellement le jeudi après-midi. Mais je pense que je vais encore changer mes horaires quand j'aurai ma nouvelle config. Pour faire un petit peu plus de Star Citizen du coup. Donc je vais voir comment aménager ça. Et donc les horaires No Man's Sky risquent de changer, mais normalement c'est le mercredi soir à partir de 21h. Donc normalement cette semaine, enfin la semaine qui vient, mercredi prochain, je devrais streamer du No Man's Sky mercredi soir. Tu as le planning hein, sous le lecteur, hein, ça, si tu veux regarder. Non, c'est pas multiplateforme No Man's Sky. C'est multijoueur maintenant, mais c'est pas multiplateforme. Bon, je suis coincé, regardez-moi la pente que j'essaie de grimper sur le radar. Je n'y arrive pas. Hein. C'est dommage, on voit le plateau qui est juste là, juste à gauche là. Je dois pas être loin. Hein. Mais comment faire pour trouver un endroit où grimper cette colline? Là on voit que. Voilà, on voit qu'il veut pas. Voilà, je patine et je recule. Donc je ne pourrais pas grimper plus, ça m'étonnerait. Là, je suis coincé. Il faudrait en fait que je redescende et que je rappelle mon vaisseau. Et que j'y aille en vaisseau. Il y a peut-être moyen, parce qu'on voit bien que c'est plat. Hein. Le radar, là, m'indique bien que le sommet est plat. Ou alors, il affiche pas il affiche pas plus haut, c'est peut-être aussi ça. C'est pour ça que je vois que c'est plat. Si je dézoome, ouais, c'est ça en fait. Ouais, regardez où je me trouve quoi, c'est même pas là, j'ai dézoomé à fond, j'arriverai jamais à grimper ça en SRV. Ok, écoutez, on va essayer de redescendre, je vais rappeler le vaisseau, puis on va essayer de choper cette espèce de signal artificiel que j'avais. Ça va pas être évident de le choper parce que là, pour pas que je le perde, il faudrait que je garde le cap 300 dans le dos. Donc je pense que voilà, en descendant comme ça, je devrais à peu près le garder. Je sais à peu près dans quelle direction il faut que j'aille. Retiens les coordonnées, note-les. Ouais, mais non, en fait, ça marchera pas, Fralex. Parce que je ne sais même pas à quelle distance je suis du signal artificiel. Donc, ça ne sert pas à grand-chose que je les prenne. Non, mais voilà. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien de temps les traces au sol là, de mon SRV restent. Parce que ça pourrait me guider en fait. Il suffira que je suive en vaisseau les traces de mon SRV pour pouvoir savoir d'où je venais et où j'allais surtout. Si j'ai le temps avant que tu termines, je te rejoins. Bah écoute, je termine vers midi, hein, je pense. Mais il n'y a pas de souci si tu veux me rejoindre. Mais profite de jouer avec ta chérie. Hein.
c'est bien aussi que tu puisses le faire. Je vais pas t'empêcher de profiter de ces moments-là. Hein. Voilà, je suis maîtresse, histoire d'en refaire d'autres, parce que je ne sais pas combien de temps elle reste visible. Je pense qu'au bout d'un moment, elles doivent s'en aller. Donc là, je fais un peu le petit poussé. J'essaye de... Voilà, d'utiliser les traces de mon SRV. Est-ce que je suis passé par là tout à l'heure? Je suis en train de remonter, là. Je vois plus les traces de mon SRV. Non, je suis pas passé par là, c'est pas possible. On va redescendre, voilà, on va redescendre ici. Hop, et on va rappeler le vaisseau tout de suite, avant que les traces disparaissent. C'est à la limite le seul moyen que j'ai de retrouver le cap. Je vais le rappeler tout de suite. J'espère qu'il va pas atterrir trop loin. Ah, j'ai pas vu Amory que tu partais, ok. Y a pas de souci, merci d'être passé, et puis bah tu reviens quand tu veux, si tu es. Si tu peux venir ce soir, y a pas de problème, tu seras bienvenu. Et passe un bon après-midi. Allez, je fonce vers le vaisseau. Je suis vraiment intrigué par ce signal artificiel que j'ai découvert là. J'ai vraiment envie de voir s'il mène quelque part à quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être des nacelles hein, à récupérer. Hein. Allez savoir. Ça nous est déjà arrivé avec Fralex. Hein. Et d'ailleurs, on les a toujours dans la soute. Vu qu'on n'est pas encore revenu. Dans une station. Ouais, j'espère que les traces au sol sont encore présentes. J'en doute, hein. À mon avis, elles doivent partir rapidement. Je tente ma chance, on sait jamais. Voilà. Hop, on embarque. Et on va essayer de suivre les traces au sol. Alors pour ça, je vais me remettre en vue extérieure. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, voilà. On va se mettre comme il faut. Voilà, j'essaie de ne pas perdre de temps. Voilà, on voit bien les traces au sol. Hein. Ok, je vais me mettre comme ça. Voilà, hop, on décolle. Si j'ai... Ouais, il faudrait que j'arrive... Voilà, pas que je monte trop haut et que j'aille trop vite. Allez, j'essaie de suivre. Oh putain, ça va être chaud. Alors, remonte, remonte. Ah, et voilà, tu touches. C'est dingue, hein. La moindre petite pression. En fait, il me ferait un joystick. Parce que là, clavier souris, c'est vraiment pas pratique. J'ai vu que Microsoft avait sorti un joystick Thrustmaster, là. Pour la Xbox et pour Windows. Il m'intéresse bien. Je pense que ce sera sans doute le prochain achat de mon setup. Hein. Parce que il y a à la fois le joystick et le comment ça s'appelle le thruster, la manette des gaz. Donc ça peut être cool. Il vaut à peu près dans les 80€, donc je pense que je vais prévoir ça quand j'aurai monté ma nouvelle config. Et puis c'est aussi en prévision de Flight Simulator 2020. Hein. Je vais avoir du mal à voir mes traces. Hein. Alors je vais enlever quand même
Non, qu'est-ce que tu fais? Reste là. J'ai perdu mes traces. Non, elles sont là, c'est bon. Remonte, remonte, punaise, je touche. C'est dingue. Je me concentre pour voir mes traces, mais c'est pas évident parce que. Voilà, si je penche trop le nez. Ah punaise, je les ai perdus là. Là, à partir d'ici, je les ai perdus. Là, je les vois sous mon réacteur là. Si, ça se poursuit là, d'accord. Ça se poursuit ici. Je vais descendre un petit peu. Donc j'imagine que de toute façon le cap 300 ça doit être dans cette direction, enfin par rapport à mon SRV tout à l'heure, la position de mon SRV. Ouais, je vois toujours les traces ici, c'est parfait. Non, remonte, 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 remonte. Ah punaise. Ouais, par contre à partir de là je les ai plus. Hein. Ouais, à partir de là je les ai plus. Alors peut-être que je suis pas allé plus loin tout simplement. Hein. Hey, salut Pavier. Tiens donc, comment ça se fait que tu es sur ED? Bah écoute, j'avais une petite heure à tuer. J'avais envie de jouer à Elite. Alors je me suis dit, tiens, sans quitter le système dans lequel on se trouve là par rapport à notre événement communautaire là, je me suis dit j'ai envie d'explorer, de faire un petit peu les niveaux des matériaux. Et puis en explorant bah, la surface de cette planète, je suis tombé sur un signal artificiel avec le SRV, mais je ne peux pas m'y rendre parce que c'est vraiment sur l'éjecta là de ce cratère, et c'est pour ça que j'ai repris mon vaisseau, mais je vais avoir du mal à trouver la zone. Hein. Alors si je me remets en vue cockpit à partir d'ici. Ouais, non, je pourrais pas voir là. Pff, ça me paraît compliqué. Bon, je vais quand même me poser au sommet. Hein. Je vais me poser au sommet. Et puis, je vais ressortir le SRV des fois que j'aurai à nouveau le signal. Donc, on va vraiment se mettre au sommet. J'espère que je vais pouvoir atterrir. Par exemple, là, je suis cap 323. On va se mettre plutôt sur cap 300. Voilà, on va se mettre par là. Voilà, là on voit bien les bords du cratère sur la gauche, là, et on est vraiment sur l'éjecta. Mais là je pense que voilà, la pente doit être moins inclinée. Je pense que j'ai plus la possibilité de me balader en SRV ici. Hein. Allez, je remets les trains d'atterrissage, parfait. On va essayer de se poser dans le coin. Par exemple ici, j'espère que je vais pouvoir. C'est pas trop abrupt. Ça va être compliqué. Hein. Là, j'ai un petit creux là. Là, je frotte, donc c'est pas bon. Ah, ça va être compliqué pour se poser là. Et ouais, forcément, je frotte. Je me concentre pour trouver un endroit où me poser, mais à mon avis, c'est mort. Ouais, à mon avis, c'est mort. Il va falloir que je monte plus sur l'éjecta. Là, je fais que frotter, c'est tout ce que je fais. On va essayer de grimper tout en haut. Peut-être que je vais trouver quelque chose d'un peu plus plat pour poser l'ASP. Regarde là par exemple, ça me paraît plat là. Presque, presque plat. C'est pas si mal ici là. Alors il veut pas. Ah, il veut pas que je me pose, hein. Il trouve pas d'endroit où je puisse me poser. Là peut-être à droite là.
Non, il n'y a rien à faire, ça se déclenche pas. Ouais, je vais avoir du mal à me poser. Hein. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce que c'est que ce signal artificiel paumé comme ça dans le... dans l'éjecta, ça aurait été cool. Et là, on est d'accord. Je peux pas me poser, c'est beaucoup trop pentu. C'est à près de 20 degrés, là. 30 degrés d'inclinaison. C'est beaucoup trop pour poser le SRV. Je fais, voilà, je fais que racler le sol. Ouais. Alors ici, ça devrait être plus plat. Là. Voilà. Par ici. Ouais, ouais, ouais. Je pense que là, c'est faisable. Je suis à 20, un petit peu moins de 20 degrés d'inclinaison. Arrête de frotter, si possible. Il veut pas. Il n'y a rien à faire. La surface n'est pas assez grande pour que je puisse me poser. C'est dommage. Ça aurait été marrant, là. Pouvoir sortir le SRV. Et essayer de rechoper le signal. Là, il veut pas. Hein. Je suis à 10 mètres. Là, l'inclinaison est trop forte. Du coup, je tape. C'est tout ce que je fais. Ah, c'est de... alors peut-être sur la droite là. Je crois que ça a l'air un peu plus plat. Voilà. Pavier, tu me dis, tu peux me rappeler à peu près quand tu auras ta SEM. Alors normalement, c'est vendredi. C'est vendredi prochain. En tout cas, c'est au plus tôt vendredi pour ouais, c'est ça, vendredi prochain, au plus tard le mardi suivant de la semaine suivante. C'est ce qu'on m'a annoncé. Ah, ah, j'avais un créneau là. C'est ce qu'on m'a annoncé comme délai. Hein. Oh punaise, ça va être chaud pour se poser là. Oh la vache. Je suis à 10 mètres du sol. Hop, regardez ça. Hop, j'ai un petit créneau là. Mais alors, pour le choper, bonjour. Ah, j'y étais là. Ah, il le trouve plus. Ah, il est là. Il est là, le petit créneau. Hein. Voilà. Ah, j'ai failli le choper. Allez, c'est bon, je suis dessus. Alors, si je redescends, il va pas vouloir atterrir. Non, il veut pas. Il veut absolument que ça valide l'assiette. Sans ça, je pourrais pas. Oh, mais j'y étais là, j'y étais. Ah, c'est trop petit, hein. C'est trop petit pour que je me pose. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ah, ici, voilà. Ah, mais je l'avais, punaise. Il suffit que je change l'inclinaison et ça disparaît, quoi. C'est dingue. J'ai vraiment pas la place, en fait. J'aimerais bien qu'il fasse une promo sur Star Citizen, qu'on puisse te rejoindre. Bah ouais, mais c'est clair, mais normalement ça devrait arriver. Hein. Après la CitizenCon, ça va arriver. Hein. En général, t'as des promos à ce moment-là. Ou alors t'as au moins une semaine d'essai gratuite à partir de la CitizenCon. Donc mi-novembre, je pense. Ah tiens, tu me fais penser qu'il faut que je fasse la mage, d'accord. Hop. Ouais, à chaque fois je la perds. Il n'y a rien à faire, c'est pas assez plat. Donc on va aller plus haut. Là j'avais encore un petit créneau, mais c'est pas assez. Hop, je reprends un peu d'altitude. Je suis obstiné, hein. Je suis vraiment obstiné. Je racle, voilà, je ramasse la poussière. C'est tout ce que je fais. Mais j'aurais bien voulu trouver l'origine de ce signal. Ah, ici. Là, il y a plus de place, là. Allez, on va peut-être pouvoir se poser, là. Oh, il veut pas. Si. Ouf. L'obstination, ça fait. Ah, bah, de toute façon, moi, j'ai pas le choix. À chaque fois que je veux quelque chose, faut que je m'acharne. Limite, faut que je m'acharne. Bon après-midi, et peut-être à ce soir. Bah, y a pas de problème, Pavier. Si tu peux passer, ce sera avec plaisir. Passe un bon après-midi et ciao, merci d'être passé.
Allez, sans plus attendre, je sors le SRV en espérant que je puisse sortir. Qu'est-ce que je fais? Non. Voilà. Déploie-moi ça. Hop. J'espère que j'ai la place de sortir le SRV. Que je suis pas coincé sous l'ASP. Ouh, j'ai pas beaucoup de place. Hein. S'il faut. Ouais, ce que je vais faire tout de suite, c'est le renvoyer. J'espère que ça va pas me cramer. Mais je vais le renvoyer tout de suite. Ça. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Ça va. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'il va pas interférer avec un éventuel signal sur le radar. Ok. Donc, normalement, voilà. Alors, on va essayer de choper un éventuel signal artificiel. Je me remets, voilà, en vue radar minimal. Je vois pas de signaux pour l'instant artificiels, que des signaux standards. Ah, c'est dommage. Ah, là-bas. Oh, regardez, je l'ai retrouvé. Voilà, il est là-bas. Voilà. Il y a bien un signal artificiel pile en face de moi. Donc là, ce sera plus facile d'y aller en descendant qu'en montant, forcément. Donc on va essayer de garder le cap. Je l'ai retrouvé. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Je pensais pas que j'allais le retrouver. Alors, on va y aller tout doucement, par contre, là, parce que, voilà, on a des sacrés pentes. Hein. Je vais déraper, c'est une évidence. Donc on va y aller vraiment cool, mais tout cool. Voilà, l'obstination, ça fait, mais exactement. Et il y a même, mais regardez, j'ai un autre signal artificiel à gauche. Il y a deux signaux artificiels. Bon, je vais prendre celui qui est le plus proche. Hein. C'est celui qui est le plus large, en fait. Plus on est proche. Ah non, c'est le contraire, je dis bêtise. Attendez, il faudrait que j'aille sur l'autre. Plus l'écart est petit, et plus on est proche. Hein. Il était par là, c'est ça? Ouais, il est là, voilà. Hop, voilà, il est ici. Là, j'ai un petit signal. C'est bizarre, il y a plusieurs signaux artificiels. Alors, est-ce que c'est celui-ci qui était le plus proche et que j'ai vu en premier? Je ne sais pas. Ouais, ou alors, c'est un ensemble. Je suis tombé sur une base secrète ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce signal? Mais là, on le voit bien. Hein. Alors, je vais pas trop vite pour pas déraper, parce que là, j'ai déjà une inclinaison de 10 degrés au niveau de la pente. Alors là, je vois bien à droite l'affleurement ou la météorite, là. Mais ici, clairement, j'ai un signal artificiel qui se fait de plus en plus présent. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis en train de descendre fortement. J'espère que je vais pas me casser la figure. Bon, du coup, on n'aura pas vu l'autre planète. Mais bon, c'est pas grave. À la limite, on ira faire un petit tour avec Fralex ce soir sur l'autre planète. Mais là, le signal artificiel, là, ça m'intrigue trop fortement pour pas aller voir ce que c'est. Attendez, regardez. On va se mettre à l'arrêt. Punaise, je dérape. Je vais me casser la figure. Je vais sortir la caméra. Je vais essayer de voir un petit peu ce que c'est de loin. Mais qu'est-ce que ça peut être? Normalement, c'est pile en face de moi, là. Oh, c'est ça? C'est ce qu'on voit, là? Ah, c'est un fragment de... Bah, c'est quoi, ça? C'est une capsule de sauvetage? Attendez. C'est quoi, ça, déjà? Alors, si ça se trouve, l'autre, c'est pareil. Ouais, c'est une balise, c'est ça. C'est une balise, perdue au milieu de nulle part. Donc, j'imagine qu'elle est plus active. On va quand même essayer d'aller la voir, pour voir s'il y a quelque chose à en tirer. Mais c'est une balise. Ok. Alors, ce qui serait cool, c'est de voir dans le même temps. Je vais essayer d'incliner la caméra à l'autre côté, parce qu'il y avait un autre signal par là. Et j'ai peur de pas pouvoir m'y rendre. Si je me rends à cette balise, ça va faire voilà, ça va être trop pentu pour y aller. Mais là, a priori, voilà, je vois pas d'autres éventuelles balises. Mais si ça se trouve, c'est encore une autre balise.
Ouais, si ça se trouve, c'est encore une autre balise. Ok, bon, alors on va essayer de s'y rendre sans se casser la figure, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors je sais pas trop ce qu'on peut en tirer de ces balises. Oh punaise, regardez ça, je suis en train de... J'ai... Regardez ça, je freine. Si, avec le frein, ça va à peu près. Mais je suis à zéro hein, au niveau de la vitesse. Et j'arrive encore à freiner, j'arrive encore à glisser malgré le frein. Donc il faudrait que je me mette en... Voilà, légèrement... En marche arrière. De ce côté, ça te freine. Zigzag, ouais. Ouais, mais j'ai peur de basculer, en fait, si j'ai zigzag. Tu comprends? Ouais, je vais y aller tout doucement. Parce que si je me mets sur le côté, je vais basculer. Regardez, c'est simple. Si je sors la caméra, quand j'aurai arrêté de glisser... Punaise, punaise, je prends de la vitesse. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je vais pas réussir. J'ai les pieds sur le frein, là. Les deux pieds sur le frein. Je glisse irrémédiablement pourvu qu'il y ait... Pourvu qu'il y ait quelque chose qui m'arrête. Il n'y a pas un petit rocher là? Oh punaise, je prends énormément de vitesse. Pourtant, je suis en marche arrière, j'ai le frein. Je peux pas faire. Punaise. Ouf, ouf. Allez, je vous assure, ça donne des sueurs froides. Ça donne des sueurs froides. Voilà, je voulais sortir la caméra. Juste pour vous dire. Voilà l'inclinaison que je me tape. Hein. Ça vous donne une idée? Donc du coup je dérape. Non, il faut surtout pas que je tourne. Si je tourne, je te promets, je bascule. Je fais des tonneaux. Et donc là on a plus d'adhérence finalement en restant à plat par rapport à la pente, plus que en se mettant sur le côté. Parce que sur le côté, en fait, les canons au-dessus du... Enfin, il y a comment dire, le centre de gravité est situé trop haut en fait sur le SRV. Donc on n'a pas assez de centre de gravité sur le bas. Sur la caisse en fait du SRV, du coup on bascule quoi, on bascule tout simplement. Ok, j'ai envie de prendre une petite photo de ça là, pour montrer un petit peu là. Regardez ça, voilà, si je mets la photo à plat, si je mets le plan à plat, voilà ce que j'essaie de faire. Il faut pas que j'explose hein. Je rappelle qu'il faut pas que j'explose hein, parce que si j'explose c'est retour à la case départ hein. Donc je prends énormément de risques, juste pour une petite balise, mais j'y suis presque. Oh la vache. Allez. Alors du coup, hop, j'enlève juste un petit peu le frein. Je me remets à zéro au niveau de la vitesse. Voilà, hop, je rebloque le frein. On va y aller en dérapage contrôlé. Faudrait un vaisseau taxi. Ben ouais, exactement, Fralex. C'est super rapide, t'as vu ça? Donc là, je vais viser la balise, comme ça au moins elle va m'arrêter. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Non, arrête-toi. Oh la vache. Heureusement qu'il y a la balise. Non, mais regardez comment. Non, mais je suis taré en fait. Voilà, c'est la balise qui m'arrête. Si la balise dépop, je tombe, je fais une chute libre. Heureusement que ça l'a pas poussé au fond, non, t'as raison, elle est bien coincée dans la roche. Ah non, mais mort de rien. Allez, du coup, on va en profiter pour l'analyser. Hein. Est-ce que je peux le faire, au moins? Non, je vais pas tirer dessus, je vais l'analyser. Ouais, et du coup, faut que je la cible. Voilà. Si je la cible... Oui, je peux l'analyser. On va aller voir un petit peu. Est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Tous les liens ont été établis. Super, je suis content. Avec les points d'accès aux données, compilation du dossier d'information. Ok, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai rien là dans ma... Dans mes messages, j'ai rien. Ici non plus, au niveau de la cible. Ça doit être dans ton codex, ok. Tu sais où il y a les méga chips? D'accord, c'est là qu'il faut que j'aille voir, ok.
C'est où? Je ne sais plus. Non, c'est pas dans le codex. À moins que ce soit là. Non, c'est pas dans le corps astronomique. Je ne sais plus où c'est pourtant là-dedans. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est ça. C'est ici, c'est dans l'archive ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est surcommandant, exact. Je me souviens plus où. Balise de tourisme. Est-ce que c'est pas une balise de tourisme? Non. Attends, installation abandonnée, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça. Vaisseau monde, non. Targoïde, non. Mais non, c'est dans balise de tourisme. Où est-ce que ça pourrait être? Je regarde les dates, hein, du coup. Je regarde les dates. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Balise de tourisme, ok. Ici. Bah si, mais je les ai toutes faites en fait. J'en ai pas d'autres, hein. Dans ton panneau de navigation, sinon des données à revendre. Ok, je vais les regarder. Je revérifie pour être sûr. Mais visiblement, elle est inactive. Donc, je peux pas en faire autre chose. Donc, là, panneau de navigation. Au niveau. Alors, transaction peut-être. Je sais pas. Où est-ce que je peux voir ça? Est-ce que c'est ça? On peut pas savoir en fait. Ouais, c'est les récompenses, hein. Mais ouais. Attends. Normalement, c'est là, mais voilà, j'ai pas plus de. Non, j'ai rien. Il n'y a rien à moins que t'aies pas revendu tes données avant de partir. Non, c'est peut-être ouais, des données que j'ai pas revendues, effectivement. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, effectivement. Parce que là, j'ai pas d'autres données, en fait. Ouais, c'est ce que je voulais voir, effectivement, Falex, dans les messageries. Peut-être aller voir ça aussi. Je vérifie. J'ai pas autre chose là, mais non, a priori non. Ici, j'ai pas plus de choses. Au niveau de la cible, je peux rien faire. Donc on va aller voir dans la messagerie. Qu'est-ce que j'aurais? J'aimais ce petit message que j'ai toujours dans l'historique. Le dernier petit message qui date du 12 octobre. Bref. Donc, ici j'ai rien, on est d'accord. Pas besoin de filtrer parce que de toute façon j'ai rien. Non, faut pas lire. Non, c'est vrai. C'était un accident comme dans Faster Than Light. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, j'ai rien de plus. C'est dommage. J'aurais pris des risques pour rien. Et surtout, ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien voulu aller voir le deuxième écho artificiel, mais à mon avis, je suis déjà trop loin et je glisse tellement là. Je sais pas comment je vais faire pour me récupérer là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil là qui pourrait me servir? Non, j'ai rien. Hein. Et si je passe en mode analyse? Ouais. J'ai rien. Si ce n'est le détecteur de découverte, il ne va pas me servir ici. Ouais, forcément, faut que je sois un cockpit. Bon. Donc, à part refaire un détecteur de liaison, je peux pas faire autre chose. Mais c'est déjà terminé. Dommage. Dommage, dommage. Voilà, c'est René de ses cendres, hein, le personnage dans Faster Than Light. C'est de ses cendres, hein. René de ses cendres. Je tiens à la particule quand même. Bon, du coup, je fais comment pour m'en sortir là? Vous avez une idée? Comment je fais pour me sortir de ce pétrin là?
Parce que voilà, hein, l'inclinaison de la plante, de la pente. Hein. Je fais comment pour m'en sortir? On va analyser le terrain légèrement au-dessus, enfin en dessous plutôt. Voir jusqu'où ça descend. Là, par là, là, ça a l'air d'être un peu plus plat. J'espère que je vais pouvoir m'arrêter parce qu'il faut que je me dégage de là. Hein. Donc, ce serait peut-être plus judicieux que je passe par la droite de la capsule, de la balise. Ce serait mieux, hein. Oui, j'ai bien fait l'isolation de données et pas découverte. Hein. D'ailleurs, c'est marqué terminé. Hein. Je peux pas le refaire. Si tu... C'est ça, Frélex. Je peux revérifier, mais tu vois, détecteur de liaison de données, il y a marqué la barre à gauche là est bien indiqué comme étant terminée. J'ai pas accès au détecteur de découverte à droite de toute façon, donc je peux pas faire autrement. Hein. Je peux pas faire plus en tout cas, et je peux me remettre en vue mode combat, et c'est pareil, hein. Détecteur de liaison de données, c'est terminé, et je peux pas faire autre chose. Hein. Voilà. Le détecteur de découverte forcément n'est pas actif. Ok. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, faut que je fasse du fly, mais c'est ça qui me fait peur, parce que je risque de prendre de la vitesse avec le fly, donc on va éviter. Je vais plutôt essayer de reculer et basculer sur la droite. Allez. Voilà, légèrement. Vous voyez le truc que j'essaie de faire. Et on va essayer de descendre. Voilà, en inclinant. Voilà, les roues, tranquillement. Punaise, c'est chaud. Hein. Parce que je vais vite prendre de la vitesse. Voilà, là je suis coincé, donc on va reculer encore. Allez, c'est reparti. Je vais me retrouver en mille morceaux en bas. Et là, j'ai pas trop le choix de toute façon. Je peux pas aller en diagonale, je peux pas aller en crabe sur le côté parce que j'aimerais bien trouver l'autre signal artificiel, mais je pourrais pas y aller. Je pourrais pas, c'est impossible. Ok, alors voilà, hop, je déverrouille légèrement les freins. Voilà, on va descendre comme ça. J'ai peur de basculer en fait. J'ai vraiment peur de basculer. Hein. Ah! Non! Non! Oh finesse, je me suis mis de côté, je peux pas m'en mettre à l'endroit. Voilà, je veux mettre en trois quarts en fait pour redescendre. Voilà. Punaise, 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 je me retourne. Non, non, te retourne pas. Punaise. Ah, ça y est, c'est devenu incontrôlable. Oh la vache. Comment je vais faire? Non, non, te retourne pas. Punaise. Ouf, je me suis arrêté. Si tu restes en frein stationnement, tu peux pas utiliser le moteur. Oui, tout à fait, mais là, j'attendais d'avoir une pente inférieure à 30 degrés, ce qui commence à être le cas, je suis à 27. Parce que sinon le moteur il cale en fait. Allez, je remets un petit peu de gaz. Voilà, là c'est bon. Non, il veut pas, hein. Punaise. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Oh la vache. Ah c'est sportif. Hein. C'est surtout les bons qu'il faut pas que je fasse. Il faut surtout pas que je fasse de bons. Hein. Parce que sinon, jamais j'arriverai à remettre l'assiette comme il faut. Voilà, j'ai réussi à atteindre le premier palier, c'est bien. J'arrive pas à voir le signal, l'autre signal artificiel. Donc on va laisser tomber. Je vais essayer de descendre en rappel, j'allais dire.
C'est presque ça, en sécurité, pour rejoindre mon vaisseau en bas. Parce qu'évidemment, si je le fais apparaître ici, ça ne passera pas. Il ne pourra jamais atterrir. Voilà, c'est bon. Je retrouve un petit peu d'adhérence. Mais c'est précaire, hein. C'est vraiment précaire. Ouais, allez, il est midi 3. On va essayer de survivre à cette descente. Ce sera déjà une bonne étape. Et puis on va rappeler le vaisseau. Et comme ça, on sera prêt pour ce soir, pour poursuivre notre exploration lointaine. Avec le commandant Nakamura, avec le commandant Fralex ici présent sur le chat. Voilà. Bon, a priori, en plus, je me suis trop éloigné de l'autre signal artificiel. Je ne le vois plus de toute façon. Il n'apparaît plus. Donc, je vais pas chercher à l'atteindre. Il doit être au-dessus de moi de toute façon, là, maintenant. Et je peux pas remonter. Vous avez vu la tronche de la pente, quoi. C'est même pas la peine. Faudrait que je refasse la manœuvre en vaisseau. Et évidemment, je risque de retomber deux fois sur la même balise si je fais ça. Donc on va éviter. Oh punaise, non, 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 non. Garde le contrôle. Garde le contrôle. La vache. J'ai pas perdu de point de coque hein, pour l'instant. Je veux pas dire, mais j'ai pas perdu de point de coque. Mais mon calvaire n'est pas fini, hein. Je suis pas encore en bas. Bah non, je peux pas faire la deuxième, Fralex. C'est impossible en fait, elle est beaucoup trop haute maintenant. Elle était à peu près sur le même plan que la précédente. Punaise, je perds le contrôle. Non, 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 je fais de l'huile, hein. Je fais de l'huile. Voilà, c'est bon, là je pense que c'est bon. Je suis pas encore au bout de mes peines. Faut que j'arrive à descendre. Hein. Ouais, tant pis pour la deuxième, le deuxième écho artificiel, mais vraiment, c'est pas possible, quoi. Là, il me faut le vaisseau pour y retourner. Et encore une fois, si je prends le vaisseau, je risque de retomber deux fois sur la même, en fait. Parce que je peux pas savoir si, enfin, l'écho que j'aurai à nouveau, j'aurai aucune certitude sur le fait que de ne pas retomber sur celle que j'ai déjà faite, quoi. Voilà, ça va le faire. Là, c'est bon. Ok. On retrouve un degré d'inclinaison. Note les coordonnées, on ira soir. Ben, je peux pas noter les coordonnées. Tu l'as bien vu, c'est pas possible, en fait. Non, la seule chose à faire, c'est de remonter au sommet de l'éjecta et de chercher un signal artificiel à partir de là. Sauf que, bah voilà, encore une fois, on n'est pas sûr de ne pas retomber deux fois sur la même balise. Parce que là, les coordonnées, je suis trop loin maintenant. Quoique, si, je suis bête, je peux voir ça en replay, avec le replay, avec le replay. C'est vrai. Si, si, t'as raison, Fralex, je peux le voir avec le replay. J'essaie de noter les coordonnées. Je les ai forcément avec le replay. Ouais, sinon on vérifiera les deux, c'est clair. Mais il y en a peut-être plus que deux après, c'est ça que je veux dire. On sait pas. Bon, est-ce que je vais réussir à descendre? C'est pas gagné, hein. Je rappelle qu'il faut surtout pas que j'explose, hein. Je suis en pleine exploration, loin de la bulle humaine. Donc il faut pas mourir. Punaise, comment je me suis mis là? On en est quand même à la. Ce sera la 16e session hein, ce soir de cet événement communautaire, de notre Codex Exploration Mission. Donc. Oh punaise, je vais me retourner. Donc il faut pas que je perde les données là, ce serait vraiment trop dommage.
Punaise, où est-ce que je me suis coincé? Mais c'est pas possible. Allez, je vais redescendre. En fait, tout à l'heure, à la première tentative, je pense que j'avais pas pu monter au-delà de la position où je me trouve là. Donc forcément, bah, c'est compliqué de... Même la descente est compliquée du coup. Ouais, sinon je peux me décoller, c'est vrai. Et comme ça, ouais, effectivement, tu peux me récupérer ce soir. On peut faire ça. On peut faire ça si j'arrive à m'arrêter. Quoique je sais pas trop où je vais réapparaître. Bien, j'arrive pas. Je suis désolé, j'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. Ah, j'arrive pas à m'arrêter, mais c'est pas possible. Oh, finesse. Je vais me cracher en bas. Je vais me cracher en bas. Au secours. Non, 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 non. Mais je veux voir. Je veux pas descendre en marche arrière. Oh la vache, cette galère. J'y arrive pas. Establisse-toi, voilà. Ok, bon, du coup je vais tenter d'atteindre le bas, ce sera plus safe. Hein. Parce que de toute façon, même si tu veux essayer de me récupérer ce soir, laisse tomber quoi. T'as vu le peu de manœuvre, enfin le peu de manœuvrabilité que j'ai, c'est impossible en fait. S'il faut que je saute sur ton vaisseau, c'est impossible. Je préfère redescendre en bas, tout en bas. Ce sera plus simple. Voilà, c'est bon. Ouf, on est tiré d'affaire. Voilà, super, j'ai réussi. Je peux me déco là. C'est bon. Voilà, encore une dernière descente. Hop. Impec. Bon, bah ça aurait été amusant quand même. Hein. Alors, j'ai récupéré un petit peu de matériaux et puis voilà, ce que j'aime bien quand on fait ce genre de petite expo, c'est qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Donc là, bah, c'était une petite balise. Mais bah, la dernière fois avec toi, Fralex, on est bien tombé sur des nacelles hein, de récupération. Donc il y a moyen de trouver des choses sympas quand même. Hein. Voilà, allez. Hop, je vous laisse ici pour... cette fin de matinée, en ce dimanche matin, et bah, je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite de notre exploration à partir de 21h. Donc la suite du codex exploration mission, on va continuer d'explorer la partie sud-est du rivage élyséen. Et puis voilà, donc en attendant, bah, je vous laisse sur cette belle image. Je vous dis à très bientôt, passez un très bon dimanche après-midi, et puis à ce soir pour ceux qui veulent nous rejoindre. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de jouer. Ciao, ciao! Et salut le Gonzo. Thank you.